Et monsieur Yuri Henry va saluer également Ismaël Valestin. Merci. Merci. Et parce que vous êtes disponible pour nous, on a demandé de changer de position puisque gagnez ou passez très, très, très mal avec nous le temps pour capable changer de position. Justement, essayez de changer de position. Merci un peu, Ignace Saint-Fleur, parce que vous acceptez de faire cette cause ensemble avec nous en soya. Bon, moi, qu'on est depuis quelques temps, c'est BMPAD qui gère question et gaz dans le pays, hein, notamment la question fait comment gaz. Pour payer à Cap Coutin là, dis-nous, comment gaz là rentré en dans pays, hein? Comment le rivé en dans pays, hein? Ben nous démarche là et comment nous fait commande là, qui côté nous fait et comment le rivé. Vous gardez la parole. Bon, il y a que gaz là rentré par des commandes que BMPAD réalisé pour le compte du secteur pétrolier en général. Parce que c'est tout l'arsenal juridico-légal, BMPADLA qui est accordé à l'institution ça, pour organiser marché pour le compte de tout le monde qui est dans le secteur pour rendre le produit disponible. Maintenant, compagnie au produit demandé au besoin, by BMPAD lancé marché, yo passé commandé pour compagnie qui t'a en principe payé en dollars américains. Moi, t'as spécifiquement parlé sous question de ça qui a passé actuellement là. Dans le secteur, particulièrement le fait que BMPAD placé commande là, gaz là arrivé à Port-au-Prince, dans le terminal, mais malheureusement, gaz là, en pile, j'ai fois fait pour être capable de mettre le dehors, et finalement, nous avons processus ça pour être capable de mettre le dehors. Ok. Nous connaissons gagné. On dit trois terminales en d'un pays. Par contre, c'est correct. Le terminal de Torland, le terminal de Vareux et le terminal de Martissant. Radio Omega. Ok, c'est Martissant et Martissant 4, si vous voulez comme ça. C'est là le terminal. Kounia, information fait quoi que Vareux, c'est lui-même qui gagne un plus gros morceau, soit 70%. Et on dit. Capacité de stockage, c'est 70%. Ça veut dire que c'est Vareux qui a une plus grosse quantité. Mais Toland, qui pourcentage lui-même, par exemple? En effet, environ 70% du marché a concentré au niveau de Vareux, uh-huh. Et 30% à Toland et Martissant. Okay. Problème qui pose aujourd'hui, hein, c'est que le produit est disponible particulièrement dans tout terminal de produits. Hein. Une question qui vient de manière récurrente à chaque journaliste qui a interviewé mon question gaz là, à chaque monde qui a pris des positions sur la question gaz là, il m'a dit pour qui ça nous dit qu'il y a un problème au niveau de Vareux, Martissant, terminal. Toland n'a pas de problème là-dedans pour que ça gaz n'a pas sorti dans le terminal Toland et alimenté, approvisionné le grand sud. Tout le grand sud. Moi-même, d'ailleurs, tout le monde prend pour un papier, stylo, puis stylo puis capable de noter et considération que nous allons faire là. Parce que en principe, marchéant n'est pas tel que mon lieu qu'on est là. Capacité de stockage, nous parlons d'abord de la capacité de stockage. Et nous parlons par rapport aux compagnies, qui compagnies qui gagnent tel volume pour les stocks de tel terminal, et qui l'autre compagnie qui parle là, et côté le gros de consommation et le gros de concentration. Et l'ensemble du marché. Essayez de faire un petit bouger pour nous. Oui, parce que la communication n'est pas facile. Ou bien est-ce que nous n'apprenons pas WhatsApp directement sur un bon internet? L'ensemble du
du secteur. Vous pouvez me la dire, s'il vous plaît. Oui, là, où mettre stable là. Ok, l'ensemble du secteur qui gagne pour du yo avare particulièrement. Comme qu'on est nous gagnons dans ce secteur là, Vinasa, qui gagne un petit groupe par de marché, il gagne ensuite Bandari qui regroupe Total. Radio Sol, nous gagnons Timazou, qui gagne Comp Goyo, nous gagnons Cap Invest qui gagne Capital. Capitalio et DNC. Ok, c'est ça que mon grand président dit. C'est nous secs qui n'en gaz là, monsieur. C'est nous secs. Oui, c'est ça marché. Ok. Maintenant, là, nous arrivons au niveau de Terminal Tonlandla, qui capacité de stage que le gagne. Terminal de Tonlandla, qui recevoir 110 000 barils de diesel. Il a recevoir 39 000 barils de gasoline. Et 46 000 barils de kérosène, de jet kérosène. Ok. Moins dire, capacité de stockage, Tonlandla, et 110 000 barils de diesel, 39 000 barils de gasoline, et 46 000 barils de jet. Capacité de stockage de Varoua, c'est 387 000 barils de diesel. Ok. 210 000 barils de gasoline et 41 700 barils de kérosène. Parlez de qui ça? Martissant, troisième terminal là, il a une capacité de environ 107 000 barils diesel. Lui-même, c'est un terminal qui. Diesel seulement. Essentiellement de diesel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gasoline là-dedans. La donne. Il n'y a pas de kérosène non plus. Non. Ok. Et lui-même, c'est lui-même volume qui la donne là, yo, produit qui la donne là, c'est pour parler de DNC, Go, slash et Capital. Mal, capital slash Capinvest. Exclusivement. En aller au niveau de Torland qui posait problème aujourd'hui, hein, côté monde, on va dire de Torland, au cas. Alimenter le Grand Sud. Le Grand Sud. Et on partit dans l'Ouest. Torland lui-même, il y a 39 000 barils de gasoline qui est les quatre en même temps, 46 250 barils de kérosène et environ 110 000 barils de diesel. Question, est-ce que combien dans ce secteur, combien de compagnies qui est produit à l'intérieur de Torland? Si nous ne pas parler quoi en son connaisseur, nous t'avons dit que c'est seul Dinasa qui gagne un produit en dans Tonland. Dinasa, c'est pont gasoline national. Ok. Cependant, total volume que nous dit non, qui c'est environ 110 000 barils de diesel là, 70%, 80% là dans le produit ça yo. C'est pour essentiellement Dinasa et Dinasa National. Dinasa, c'est nos compagnons, c'est distributeur national SA, Dinasa, et compagnons, et en fait là, c'est national. Maintenant, reste 20%, les répartis entre Total Bandari et Sol. Ok. Dans 9 000 barils de gasoline qui en dans Tonland, là, que le Capron. En même temps, il y a 70% là donné. Qui pour Dinasa? Dinasa essentiellement. Ça veut dire que pompe nationale, très bien. Et le restant, c'est pour Total Bandari. Total, En aller au niveau de Vaoui. T'as en demi-seconde, La fin à Tolon, là. T'as en fin à Tolon. Ça veut dire que toute pompe nationale qui gagne. Nan Sud, nan Nip, nan Grandance et nan Bobassi. National gagne 135 pompes dans tout le pays. Ok, mais pompe nationale qui trouve yon, soit Carrefour, Gressier, Marianne, on dit un bon parti dans l'ouest là, côté sud, département l'ouest là, nan Sud-Est, nan Grandance, nan Nip, pompe nationale ça yon, t'as supposé qu'a commencé à recevoir gaz. À partir de Tonland. À partir de Tonland.
Parce que l'on ouvrit terminal Tornadla, c'est essentiellement Dinasla qui a 40 points de gaz là-dedans pour approvisionner national qui dans tout pays ou du moins qui dans le Grand Sud sous la plupart comme ça la situation de dire n'a tenu compte du fait que ça va gagner un problème pour pas rentrer Port-au-Prince et que c'est le Grand Sud qui a approvisionné. Bon, moi répondre pour tout le monde qui a écouté là en dedans et terminal Tolland là gain 110 000 barils diesel, 39 000 barils gasoline, 46 200 barils de kérosène, ça veut dire gaz blanc. C'est capacité. C'est ça yo gagné. Est-ce que stockage. C'est capacité de stockage ou bien c'est ça yo gagné jodi a? Stockage. Jodian, yo pas gagné tout ça jodian. Mais c'est capacité de stockage. Beaucoup est capable. On garde, on fait bah la ponctuelle. Jodi, est-ce que c'est ça yo gagné? Dans le stock, yo. Non, yo pas gagné tout ça dans le stock, yo pas bon stock yo gagné jodi. Parce que les gagnants produits qui rentrent depuis environ 8 jours produits après rentrer, donc et ça a été gagné déjà en stock parce que le problème qui vient, c'est pas t'es gagné produit en stock qui pas qu'à sortir depuis des gagné de problèmes de sécurité au niveau d'un environnement immédiat. Tout trois terminaux. Ça a commencé depuis le début du mois de juin. Et en dans de si, nous avons dit que semaine les meilleures par rapport à l'autre, l'autre semaine que la situation est plus bon par rapport à l'autre semaine, il y a le bloqué, il y a le pas bloqué, etc. Maintenant, ça veut dire que l'œuvre est dans la situation de blocage systématique, la vraie est venue gagner grève chauffeur qui levait grève là depuis dimanche. À l'intérieur du terminal, c'est gagné stock en réserve. Maintenant, entre temps, comment c'est venu, régulièrement gagné, il y a 40 litres d'arrivage, peut-être dans un premier temps, il y a 50 000 barils, il y a 30 000 barils de gasoline qui viennent, qui ont mis au niveau de VAE pour renflouer VAE, pour constituer le stock VAE. Vin gagner 11 000 barils de diesel, nous mettons VAE également. Vin gagner 50 000 barils de diesel qui vient, nous allons mettre 14 000 au niveau de Tolland et nous retournons à Cresca pour mettre VAE. Sous instruction gouvernement, nous retournons avec les pour mettre le VAE pour permettre à ce que nous répressions sous terminal. Pardon, VAE, la mettre tout le temps en même temps. Entre temps, bon, un bateau qui vient avec 240 000 barils, je veux dire, dont 160 000 barils de diesel et 80 000 barils de kérosène, je veux dire. De kérosène. Alors, gasoline ou bien kérosène? 160 000 barils de diesel, pardon, et 80 000 barils de gasoline. Bateau Salina Radla, qu'on a là, il y a pris disposition pour accoster. Et au niveau du terminal de Tornade, pour l'Irlande, mais bien produit également au niveau de VAE et gasoline et diesel. De même que Bandari gagne produit le tout au niveau de VAE, Sol bien produit le VAE également, DNC VAE, Timazou Go VAE, slash Go VAE, Capenvest slash Capital VAE. Tout jeu, M. Zao, non seul panier à VAE. Et une capacité de volume qui gagne, une capacité de stockage au niveau de VAE, c'est plus grande capacité. Hein. C'est ça qui fait ouais, que tout le monde a besoin d'aller VAE, parce que si vous voulez tout le monde gagne gaz là, en même temps, c'est VAE qui va aller, parce que c'est VAE que tout le monde réunit, gagne indistinctement, gagne stockage. Néanmoins, en dépit du fait que Mdaka dit qu'au niveau de VAE, tout le monde est stockage, nous allons considérer de l'autre stock qui est à côté au niveau de terminal de Tornade qui pour Dinasa dans une très grande mesure. Les gagnants au niveau de Martissan, nous disons que c'est là
son terminal essentiellement de diesel relié. C'est moun qui gagne, compagnie qui gagne. C'est DNC avec Kimazou. C'est DNC Kimazou, Go Kimazou et Capital slash Capinvest. C'est eux-mêmes qui gagnent pour Dieu dans le secteur ça. Ok, donc, ça veut dire que Kounia, oui, Kounia, moun commence à comprendre. Nous suffisamment édifiés. Oui. Moun qui, nous-mêmes, nous parlons en polémique avec moun qui a dit, qui par contre, n'importe quelle situation, la réalité, ça, comment produire stocker, et qui prie, qui, pour qui compagnie, vous voyez, qui a dit, le fait que, et produire au niveau de Tolland, tout le monde qui a rentré à le point lit, c'est pour tout le monde. Il n'est pas pour tout le monde, il est pour des compagnies spécifiques. Ah, ok, Kounia. Nous ne pouvons pas aller dans la polémique avec compagnie. Oui, oui, je comprends déjà. Il y a un problème déjà pour nous. Nous avons dit, vous mettez dans la situation de polémique, du tac au tac avec nos concitoyens. Si nous, là, nous avons servi le pays aujourd'hui, c'est pour demander toute son cloche, tout ça, concitoyens, nous-mêmes, nous avons un seul devoir. C'est le plus grand devoir, le seul devoir que nous gagnons, c'est une bail une explication. Ok, Kounia, ça me décadit, ça me décadit. Est-ce que nous pas proposer ça? Et il y a Saint-Fleur, est-ce que nous pas proposer ça? Comme par exemple, dans Tolland, il y a 110 000 barils diesel, 39 000 barils gasoline, 46 200 kérosène. Alors, c'est capacité de stockage, lié, oui? Non, ça au cas recevoir. Oui, ça au cas recevoir. Mais nous avons battu le ça veut dire qu'il va recevoir, il va le plein. Kounia, comme dit ça, il y a un petit genre difficile tout pour que l'État traverse Matisse, parce que ça connaît Matisse, il y a un problème. Est-ce que le PAC a fait un deal avec ensemble de compagnies qui sont dans la côte sud là? Dinasa a tout passé au gaz là. Parce que Dinasa a gagné 139. Ça toujours fait dans le secteur. Et je ne peux pas dire, sur un secteur qui est très bien organisé, qui est très bien discipliné, qui a une pile cohésion là-dedans. Et dans ce secteur là, d'ailleurs, c'est dimanche ça que nous, gouvernement, entreprenons, sous instruction du Premier ministre, là, nous intervenons auprès de toutes les compagnies pour nous joindre en mode sur terrain dit, pour nous dans quelle mesure nous permettre que, au niveau de Tolland qui parle saturé à partir de 160 000 barils qu'il a, que Tolland pas même cassé une fois à la vérité, n'a pas saturé Tolland, pour permettre toute notre compagnie en prêt, capable d'approvisionner ton load. Parce que le toute bagaille rentrée dans l'ordre au niveau de la rue, il y a capable de prêter dans la main d'un radio national au niveau de ton load, il y a capable très bien, très bien. Il y a capable de restituer lui, sa haute pendant la main lui, c'est pour permettre le secteur organisé. Je pense que la situation de secteur qui qu'on arrivait à me décarrer, qui tombait en panne avant l'autre, ça dépend du volume, l'autre a payé, ils ont prêté l'autre. Et l'autre reste à cette constat, ils ont prêté l'autre là, ou pas son compagnie qui était stock li au niveau de Varbe, ça a été un volume qui a été gagné, et puis il finit épuisé, il prêtait la main, par exemple, national, qui gagnait stock et au niveau de Tolland. C'est vieux ça que vous faites entre compagnons et vous faites au bonheur de tous les consommateurs qui permettent que utilisateurs, etc., des bails comme ça, qui permettent que vieux ça fait pour permettre que tout le monde bénéficie. C'est à ça que la travaille. Nous-mêmes, nous pas pendant que vous partez de l'intervenu, nous-mêmes, nous avons fait des arrangements pour dans quelle mesure nous sommes capables de permettre qu'à partir de Tolland, ça finisse saturé avec arrivé bateau ça qui l'a depuis midi, hein, pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de favoriser ça. Toujours est-il, grâce à concours gouvernement via la police nationale d'Haïti, que nous féliciter pour gens et à travail pour permettre que sécurité retourne rapidement et par rapport à convoi ça qui était organisé aujourd'hui, permettre tant soit peu de gagner quelques camions qui sortent au niveau de Tolland. En tout cas, et DG Le Haguet arrivé, merci un pile pour ti explication ça cobaye, mais m'espérer que et dans niveau l'état et dans niveau compagnie notamment et tant coup par exemple Kimazou, moi grand pile go rap donne tant coup John
dans le pays. M'espérer, monsieur, comment c'est réfléchi pour que vous décentralisez le terminal. Yo. Ça veut dire que Kimazou, c'est une compagnie, je dis là, ou Dim National 139. Je m'ai regardé là et qui a go presque quitté en cinquantaine derrière. Et puis, pas oublier, chaque fois, vous avez plus pompe à essence, vous avez plus motocyclette, plus machine cap rentrer, fort capacité de stockage, li augmenter. Et automatiquement tout parce que d'ailleurs doit commencer à réfléchir à ça. Ignace Fleur, merci en pile pour explication ça yo. Mais espérons l'autre nous parler plus puisque il y a parlé de gaz à cap monter sur marché international là. On prochaine fois on a essayé regarder question ça yo plus. Merci en pile DG, à bientôt. Ma prédiction radio, ma prédiction même ma prédiction Ismaël Valestin qui s'il nèg la caïno collègue nous, nèg la caïno n'a dit également que capacité et livraison journalière là qui s'accueille au jour le jour consommation qui s'allie c'est 9500 barils de gasoline, c'est 11900 barils de diesel et 2500 barils de kérosène de jet. C'est ça que consommation journalière quotidienne est en baril. Nous remercions tout le monde d'attendre l'émission ça et peut-être n'a toujours un disponible parce que le corps de responsable et de l'État c'est expliquer, c'est résoudre le problème et nous continuer à travailler pour nous arriver à résoudre tout le problème. Merci. Merci un peu.